Elle joue les autres de l'Ouest. Accrobranche. Arrête, c'est chiant. Bonjour. Me réveiller, il est 11h. C'est pas une vie pour se réveiller. Par contre, mes cheveux là. Bon, je vous ai pas trop parlé les derniers jours. Je suis rentrée chez mes parents un peu dans l'urgence pour aller voir mes grands-parents des deux côtés. Parce que c'est important d'aller voir ses grands-parents. Donc là, il y a 2 jours, j'ai vu ma grand-mère du côté de ma maman. Je suis allée à l'EHPAD pour aller lui rendre visite. Et hier, je suis allée voir mes grands-parents chez eux, du côté de mon papa. Ça m'a fait du bien de les voir, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ça m'a fait faire genre peut-être 2 ou 3 mois que je les avais pas vus. Peut-être même un peu plus d'ailleurs, donc ça m'a fait du bien de les voir, c'était cool. Et là, aujourd'hui, donc là il est 11h du matin, mais je sais pas pourquoi j'ai dormi aussi longtemps. J'avais mon réveil à 8h qui a sonné, et je me suis rendormie. Je sais pas pourquoi, mais je me suis rendormie. Et aujourd'hui, je vais voir Linux parce que je me suis retournée vers Nancy et Linux est sur Nancy. Donc, on va aller la voir cet après-midi. On va passer l'après-midi ensemble. Donc, ça va être cool. Et voilà. Donc, je vais aller me préparer un peu et tout. Je vais aller manger, je pense, parce qu'il est 11h. Du coup, ça veut dire que c'est bientôt l'heure de manger. Et je sens en plus l'odeur. Non, je sais ce que c'est. Je crois que ma mère, elle a fait des beignets. Allons voir. Enfin, ma mère. Ma grand-mère a donné des beignets à faire cuire à ma mère hier, et du coup là je crois que ma mère est en train de faire cuire les beignets. Je pensais que c'était une odeur du genre de pommes de terre rôties. Je crois que c'est des beignets. Vraiment rien à voir. Miam 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 miam. Les petits beignets de carnaval, j'adore. Quel bonheur. Il fait froid. Bon, du coup, petit changement de plan pour cet après-midi. Je vais retourner aller voir ma grand-mère. Je vais profiter tant que ma maman y va. Je vais aussi retourner à l'EHPAD avec ma maman pour revoir ma grand-mère. Comme ça, au moins, j'aurais été la voir 2 fois en étant rentrée. C'est bien, d'habitude, j'ai le temps d'y aller qu'une seule fois quand je rentre. Donc là, si j'y vais 2 fois, c'est cool. Je suis contente. Et puis, un peu plus tard, ouais, dans l'après-midi, je retrouverai Linux en ville, du coup. Voilà, sur ce... A plus tard.
Je vais prendre la route pour aller rejoindre Linux en ville. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit cette voiture. Portez-moi chance parce que je l'ai pas conduit depuis genre 6 mois. Donc, let's go. Avec les belles barrières de travaux. Vraiment, le plan avec les gros tuyaux rouges derrière, je fais mourir. Je me suis pris la pluie pour venir jusque là. Et du coup, bah, même Linux est toute mouillée. Même les pigeons, ils sont tout mouillés. Un peu triste. Cette fois qu'il est aussi essentiel. Au revoir Linux, au revoir. Je vous ai pas du tout fait d'update de après que je sois arrivée à la gare. Toute la fin de journée, j'ai même pas envie d'en parler honnêtement, tellement c'était catastrophique et horrible à vivre. Genre, il n'y a rien qu'à aller. Le bus a rechangé ses trajets, du coup j'ai dû remarcher avec ma valise et tout jusqu'à l'autre arrêt de bus. À l'autre arrêt de bus, j'arrive, il y a une bande de mecs hyper irrespectueux qui étaient en train de dire des propos horribles, genre sur les femmes en général, qui étaient en train de cracher par terre. Enfin, des trucs, t'as pas envie d'en parler quoi. Bref, du coup j'ai galéré à rentrer chez moi, le bus était blindé quand il est arrivé, donc je me suis dit bon flemme, je rentre à pied. Donc je suis rentrée plus d'une heure et demie, alors que j'habite à 20 minutes de la gare. Hein. Je suis rentrée plus d'une heure et demie après chez moi, j'ai dû aller chercher des colis, sauf que genre c'était une galère pour aller chercher ces colis là parce qu'ils étaient très grands. Ensuite j'ai galéré à les installer, je vous montrerai plus tard ce que c'est, j'ai galéré de ouf. Et rien n'allait, genre le moindre truc genre que j'avais dans la main tombait par terre. Le moindre truc que je... Enfin, dès que je marchais, je me tapais le pied contre un meuble. Mais genre, je sais pas ce qui s'est passé dans cette journée, mais je me suis pris un karma horrible. Du coup, bref, je m'en voulais pas si je n'ai pas trop vlogué cette fin de journée. Je me suis détendue un peu avec les copains ce soir. Voli, il a streamé sur l'état, donc on a joué avec Voli et Linux. Et sur ce, bah, je suis en train de faire le montage du vlog que vous verrez avant celui-ci. Là, actuellement, on est mardi soir et du coup, j'ai mon vlog... qui est en train d'être pré-monté, normalement vous aurez vu tout. Donc comme je vous avais expliqué, je monte tous mes plans. Ma tête là. Je monte. C'est où? Oh non, je l'avais là. Donc normalement je monte tous les plans vite fait. Donc là je fais vraiment le très léger montage. Normalement je ne fais même pas ça sur le Mac. Je fais vraiment tout ça sur le PC. Sauf qu'en fait,
Bah là, j'ai 1h12. J'ai 1h12 de rush. Donc il va falloir que je fasse du tri pour pas exporter 1h12 parce que ça passera pas sur mon drive. Je vais galérer à l'exporter. Donc il faut que je fasse un minimum, enfin un maximum de tri, que je réduise un maximum les vidéos. Mais ça va être un vlog qui va être un peu plus long que prévu. C'était pas prévu, mais bon, là, il est plus long. Donc on fait comme on peut. J'ai pas du tout vlogué hier. J'ai complètement oublié. J'ai pas fait grand chose en vrai. Hier, j'ai juste streamé à midi. Et j'ai monté mes petits Lego. Je vous montre ça après le temps que j'émerge de mon lit. Voilà la petite maison avec Marie et Bibi. Trop mims. Et là, il y a toute l'île avec Mathéo et Amiral. C'était trop cool à faire en live si jamais il y aura la rediff sur ma chaîne de rediffusion. Coucou, désolée, j'ai pas trop vlogué hier. Vlogué. J'ai pas trop vlogué hier. C'était une nouvelle journée, je suis prête et tout. J'ai des petits trucs à faire dans ma to-do list aujourd'hui. Je suis en train de me faire un petit thé. La luminosité, là, faut aller se faire voir, quoi. Bon, on va faire avec ce qu'on a. Je dois aller chercher mes courses à 11h30. J'ai mon montage du Let's Play à terminer. Je dois finir aussi le montage de mon vlog numéro 3. Voilà les programmes de la journée. Je sais pas pourquoi, depuis hier, j'ai perdu l'habitude de vlogger. J'ai perdu l'habitude de prendre mon tel et de filmer ce que je fais. Donc désolée, du coup, vous avez un petit trou dans les jours. Il manque quelqu'un, enfin, il manque un morceau de jour. C'est ce que je vous disais, de toute façon, je vous ai prévenu au début du vlog précédent en disant que il allait y avoir des semaines où je vais passer des jours, donc ce ne sera pas des semaines. C'est donc pour ça que j'appelle daily et pas weekly, parce que je vais louper des jours dans la semaine. Voilà. Je vous ai pointé du doigt comme ça, c'est mal poli. Arrête ça. Merci. Bref, du coup, sur ce, je vais prendre mon petit déjeuner, je vais continuer mon petit montage. Faut que je mette mon casque, je sais pas comment je vais faire, faut que je me sèche les cheveux. Et je vais finir ma petite douille, et après j'irai chercher mes courses. J'ai fait au drive cette fois-ci. J'avais la flemme d'y aller, j'avais la flemme de commander, mais j'étais assez motivée pour aller les chercher au drive, en espérant qu'il n'y ait pas 100 milliards de sacs. Bref, allez, à plus. Salut, en fait, ça fait genre 3 jours que j'ai pas vlogué. Je vous ai carrément oublié en fait. Bon, faut quand même que je vous explique un petit peu ce que je fais. Là, je vais me faire à manger parce que ça fait quelques jours que j'ai pas vraiment pris le temps de me faire à manger. Bon, je dis ça, je vais faire des pâtes et un steak quoi, vraiment. Mon arrosoir au-dessus, vraiment, il me fait de l'œil là. Il mériterait pas d'avoir sa place ici. Mais enfin bref, désolé, moi j'ai carrément zappé de vous vloguer. Genre, je vous avais oublié complètement. Bon après d'un côté je me dis c'est pas trop mal d'avoir pris un petit temps pour faire une mini pause entre guillemets de vlog puisque j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait plein d'autres choses entre temps. Là je me fais à manger, donc j'ai bossé toute la matinée, j'ai fait tous les commentaires de la chaîne de rediff, tous les commentaires de la chaîne principale. Et j'ai un petit souci que j'ai découvert il y a quelques jours justement sur ma chaîne principale et ça me fait vachement chier. Bon en gros je vous explique, ça fait quelques semaines maintenant que je publie mes vidéos daily vlog etc et j'ai vu dans les commentaires un peu partout en fait sur YouTube, dans les commentaires sur Twitch, en MP Instagram, il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas eu accès au premier vlog, qui n'ont pas eu accès à l'épisode 47 du Let's Play, qui n'ont pas eu accès à ma vidéo sur les 19 faits étranges dans Animal Crossing tout opus confondu, et je sais pas d'où ça vient, donc j'ai contacté YouTube et j'ai toujours pas de réponse, mais c'est vachement chiant parce qu'en fait je produis du contenu qui est long. Je produis du contenu où je me fais chier franchement pour le faire et vous voyez même pas. Je comprends pas en fait pourquoi vous le voyez pas. J'ai du mal à comprendre vraiment pour mes degrés. Donc bon je vais essayer de voir et de régler comme je peux le problème. Mais ça vient pas d'un changement de mon côté. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre que vous voyez pas. Bon j'espère que ça va être réglé. Par contre depuis quand on galère à ouvrir les trucs là. Ah enfin tiens. Je ne mange jamais de viande, honnêtement, j'en mange jamais. Et récemment, je me suis dit qu'il fallait que je mange de la viande parce que littéralement, mon corps me dit d'aller me faire voir en fait. Je mange jamais de viande et je mange que tout ce qui est pâtes,
tout ça, je mange des légumes, etc. Mais pas assez, en fait, pour que mon corps, il soit vitaminé, on va dire, genre. Et là, j'ai remangé de la viande quand je suis retournée chez mes parents. Putain, mon corps, il était bien, quoi. Genre, c'était bien. J'étais là en mode, oh, let's go et tout. Par contre, c'est vrai que la viande, moi, ça me donne de fou des boutons. Dès que j'en mange, j'ai des boutons. Chiant, archi chiant. Mais enfin, bref, c'est pas deux boutons qui vont me tuer ma vie, surtout que je suis chez moi, donc je m'en fous. En ce moment, je suis retournée un peu... en fait, quand je vlog, donc là, j'ai pas vlogué depuis 3 jours. Mais quand je vlog, généralement, je fais en sorte que tout soit bien propre, bien rangé, bien clean, etc. Et là, bah, du coup, vu que j'ai pas vlogué, bah, j'ai pas rangé tout. J'ai des cartons qui traînent. De nouveau, parce que quand je ne vlog pas, en général, j'ai tout le temps des cartons qui traînent. Mais là, il y en a des gros. En fait, c'est les cartons de ma sponsor et le gâteau qui traînent. Et c'est des cartons qui font cette taille. Je sais pas comment les ranger quelque part. Et j'ai pas envie de les jeter parce que c'est les boîtes, en fait, d'emballage. Je vais en avoir besoin quand je vais déménager des boîtes d'emballage pour tout réemballer, pour ne pas casser mes affaires. Donc bon. Mais enfin bref, qu'est-ce que je me fais comme pâte là? Écoutez, j'ai mes petites copines coquillettes là qui vont bien aller. Vraiment des repas pas du tout dignes d'un vlog type Annie Khalif. Hein. Là, on en est loin. C'est vraiment gros steak avec des pâtes. Bon sinon, en attendant que tout ça chauffe, j'ai bien bossé ce matin. Du coup, comme je vous disais, j'ai pas mal... J'ai pas mal répondu à tous mes commentaires. Je fais quoi d'autre? Attendez, ce que j'ai noté, je peux même vous dire carrément. Et je sais pas pourquoi j'ai carrément zappé de vous vloguer. Genre, je vous avais complètement oublié. J'ai fait mon planning, j'ai géré toutes les rediffs aussi. Pas seulement les commentaires, mais mes cheveux là. Pas seulement les commentaires, j'ai géré vraiment tout mon planning. S'il vous plaît, faites pas attention quand vous voyez des trucs comme ça chez moi. J'ai littéralement fait sécher le drap et la serviette qui sont énormément grandes sur la porte. Pas les deux en même temps, je vous rassure, faut que je les range. Ils sont secs depuis 3 jours, au moins. Faut pas faire attention, vraiment, je fais sécher mes draps sur mes portes. Bref, je sais que vous le faites aussi, donc faites pas genre vous êtes choqués. Chaque fois que je tourne la cam, il y a le truc derrière. Mais enfin bref, voilà. Sur ce, je vais manger. Et il faut que je fasse aussi, je voulais aussi relancer, bon ça vous verrez, mais normalement il y a peut-être déjà des vidéos visites d'îles qui viennent de sortir sur la chaîne. Je vais globalement essayer de faire de plus en plus de visites d'îles. Oh, il y a du soleil d'un coup. Sur la chaîne, j'en faisais beaucoup à une époque et au final j'avais complètement arrêté d'en faire, je sais pas pourquoi, mais c'est le temps de leur redire bonjour je pense, puisque j'ai quand même pas mal d'îles à vous présenter. Donc voilà, sur ce je vais me faire cuire ma bouffe et à plus tard.